Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talussine. Nous sommes ici même au gîte du château de Blou à Thueil en Ardèche, où nous sommes donc avec Julien Rancon, notre parrain de notre 3e édition qui aura lieu le 7 juin prochain. Donc Julien, nous sommes un petit peu ici justement pour présenter un petit peu aux coureurs tes sensations lors de la reconnaissance de parcours donc de ce week-end. Alors justement aujourd'hui tu as pu te rendre un petit peu compte justement du parcours, mais aussi avant tout ça, hier nous avons fait une première conférence de presse où donc nous t'avons présenté aux élus locaux. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu notre région? Eh bien oui, puisque je suis originaire du département voisin, donc... J'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois sur la nationale 102 en l'occurrence, et donc traverser Thueyts plusieurs fois. Je ne connaissais pas spécialement ni les sentiers ni les montagnes, mais je connaissais l'environnement, donc c'est vrai qu'ici il y a tout pour faire de la course nature, des montagnes, des parties plus roulantes, des rivières, enfin, c'est très agréable en tout cas. Alors justement, tu as pu découvrir un petit peu ce week-end les parcours que propose Talussine, notre mascotte. Donc le 10, le 20, le 53 km. Qu'est-ce qui t'a un petit peu séduit? Quelle particularité t'as vraiment beauté sur ces trois parcours? Disons que c'est vrai qu'avec tout cet éventail de courses entre 10 et 53 km, je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc au niveau de la préparation, on peut choisir sa distance en fonction de ce qu'on a pu faire à l'entraînement. Et puis ici on est quand même dans un parcours montagneux, malgré le fait qu'on ne soit pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on est seulement dans le massif central seulement, je dirais, mais on est souvent bien surpris de ce qui va nous attendre. Voilà, on passe d'un versant à l'autre avec gros dénivelé, des parties très techniques, donc d'autres un petit peu moins, un peu plus roulants. C'est varié et très agréable en tout cas. Alors c'est vrai que notre région a un petit peu des particularités. D'une part, dans la vallée, donc Thueil se situe sur la coulée basaltique du volcan de la Gravelle, donc plutôt un terrain basaltique si vous voulez, donc qui est graniteux. Sur les crêtes, ce sera un peu plus sablonneux. Puis en revanche, dans les descentes, notamment sur le 53 km, des endroits très techniques avec ces pierriers à franchir. Ouais, beaucoup de pierriers. Des descentes assez pentues, mais toujours très agréables, jamais monotones, donc on est tout le temps en train de changer de direction, de sauter d'un caillou sur l'autre, donc on prend beaucoup de plaisir. Je pense que ce qui est un petit peu dur aussi chez nous, qu'il faut prévenir les coureurs, c'est qu'on est sans cesse en train de relancer. C'est pas on va monter, que ça soit aussi bien sur le 10, le 20 ou le 53 km, on ne va pas monter puis redescendre, c'est on monte, on descend, on monte, on descend. Alors c'est vrai que le 10, on va redescendre plus rapidement certes, mais ça reste quand même assez ballonné, donc sans cesse en relance, et d'autant plus que les descentes étant techniques, comme tu as pu nous le dire, on n'a jamais réellement de phase de récupération. Non, bien sûr, voilà, quand on arrive en haut d'une bosse, il va y avoir une partie plus rapide, mais il va falloir relancer, ensuite on va avoir une descente technique où bien sûr on va peu récupérer, on va rattaquer sur une deuxième ascension, une deuxième partie un peu plus roulante, il faut relancer, et puis les kilomètres s'accumulent et on en a plein les jambes. Alors justement, quand on était un petit peu sur les crêtes là ce week-end, comment tu as trouvé un petit peu les paysages de la vallée de l'Ardèche? Disons que c'est vrai que quand on est sur les crêtes, on a des vues sur chaque vallée. Donc ça peut être à la fois sur la vallée principale qui mène au col de la Chavade, ou sur des petites vallées plus ou moins parallèles, avec des petits villages très sympathiques. Et des montagnes au loin avec des sommets connus, que ce soit le Mont-Germédion ou le Mont-Mézin, voire le Ventoux et puis les Préalpes. Donc quand on est en haut, on en prend plein les yeux.